Sur une petite parole. Je dirais, est-ce que la cour dort? Il faudra vite me répondre, non, la cour ne dort pas. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Parce que si la cour dort, je vais chercher mes dents qui dorment dans le corridor pour de lui dort. Oui. Il y a longtemps de cela, oh, vivait une vieille madame. Vous savez, il y a des gens dont la chair est pétrie de tendresse. Les deux mets, on aurait dit qu'elles sont faites de saisons de caresses. Des gens dont ni la chaleur, ni même la pauvreté la plus complète n'a jamais retiré leur cœur. Et c'est ça que je vous souhaite pour cette année. Que cette année nouvelle ne retire rien de votre cœur, de votre amour. Cette vieille madame dont je vous parle, elle vivait dans la misère la plus profonde. Aux Antilles, on appelle ça être un ching-pong-tong. C'est la manière créole de nommer la dèche. Et cette madame, elle mangeait du cresson, et encore du cresson. Et dans la file des lendemains, elle mangeait du cresson. Oh, elle n'avait même plus la force de soulever les roches de la rivière pour prendre les petites écrevisses qu'on appelle les habitants. Elle n'avait pour toute richesse qu'un petit peu de rhum camphré pour soulager ses familières douleurs. Ce matin-là, le comte ne le dit pas, mais comme les choses merveilleuses se passent au moment du 31 décembre, cette vieille madame est allée dans la forêt chercher une branche de campêche pour faire un bon feu. Elle entend tout soudainement un petit cui-cui. Elle s'approche du regard et elle voit dans une touffe d'herbe guinée un petit oiseau. Elle prend le petit oiseau, l'observe. Ce n'était ni un sissi, ni un coucou manioc, ni même un petit passereau des jardins du 12e arrondissement de Paris. C'était un petit oiseau que la langue créole n'avait jamais nommée. Quant à la langue française, elle ne savait même pas que ce petit oiseau pouvait exister. Et cette vieille madame, qui depuis non ni non non, tant longtemps, n'avait pas sucé l'os de gibier, elle n'avait pas mâché la chair d'une poule, elle a emmené le petit animal à sa case, et n'a pensé qu'à le manger. Vorace. Elle n'a pensé qu'à soigner l'animal. Nommez-moi ce plaisir. Une goutte d'eau sucrée dans le bec desséché. Un petit peu de rhum camphré sur l'aile blisée. Une douillette de coton pour réchauffer la peur. Et des berceuses, comme ça chantaient nos mamans créoles à leurs bébés pour les endormir. Quand petit en moins, camandez moins tété. Moins qu'à les balis manger ma tété. Petite dodo, papa pala. C'est maman tout seul qui dans l'en misère. C'est maman tout seul qui dans l'en misère. Et de gouttes d'eau sucrée en gouttes d'eau sucrée. De petites frictions de rhum camphré en friction de rhum camphré. De petites berceuses en chansons d'amour. Le petit oiseau reprenait la santé. Et le soir, il s'endormait là,
dans le creux de l'épaule de la vieille madame. Mais pourtant un matin, il a fallu rendre à l'oiseau sa liberté. Et c'est le cœur lourd de la peine, de la solitude qu'allait laisser l'oiseau, que la vieille madame est allée déposer l'oiseau à l'endroit pile où elle l'avait trouvé dans les bois. Puis elle s'en est retournée à sa case, à ses misères, à ses cressons. Mais pourtant un matin, alors qu'elle cueillait de travers deux branches de feuilles pour faire une tisane, elle entend un petit cui-cui. C'était le petit oiseau. Il était revenu. Il sifflait un bonheur. Il s'est approché de la vieille madame. Lui a touché du bout de l'aile. Le visage, manière de lui faire un baiser. Comme on dit chez nous, un petit beau, oui. Et le petit oiseau a déposé à ses pieds une graine. C'était une graine de giromont. En France, on appelle ça potiron, mais c'est même bitin, même bagaille. C'est la même chose, oui. La vieille madame a pris sa graine. Elle a planté à sa manière d'amour et de tendresse. Elle a arrosé la graine d'une eau tiède d'être portée sur un cœur chaud d'amour. Et la graine a commencé à pousser, oui. Moi-même, Maggie, j'aurais poussé très vite avec ce traitement-là. Et toi? Tige, feuilles, fleurs, et bientôt un giromont. Nommez-moi ce plaisir, la vieille madame qui va chercher son giromont dans son jardin. Elle a pris son giromont comme l'on prendrait les bébés, si les bébés venaient à naître dans les jardins. Elle a emmené le giromont à sa case, elle a ouvert le giromont. Le giromont était rempli de manger déjà cuit, oui, acras de morue, colombo de poulet, boudin créole. Et il y avait sorbet au coco parfumé à la vanille. Et j'arrête là la somme des bonnes choses parce que votre bouche va faire sauce. La vieille madame, elle a mangé. Mais son festin ne s'est arrêté que dans l'espace de trois bouchées, puisque de famine en famine, son estomac était devenu un souvenir d'estomac. Mais quelle bonbonce! La première bouchée lui a rappelé les odeurs de sa jeunesse. La deuxième bouchée a rempli l'espace creux de son corps, de ses os. Et la troisième bouchée a mis dans ses reins un air de Begin. La vieille madame a lancé, oui. Bah moi un Thibaut, de Thibaut, toi Thibaut doudou. Bah moi un Thibaut, de Thibaut, toi Thibaut l'amour. Bah moi un Thibaut, de Thibaut, toi Thibaut. Bah moi tout ça vous voulez, pour soulager j'ai moins cher. Mais vous savez, quand on est une bonne personne, quand il y a trop plein de manger, qu'est-ce qu'on fait avec le restant? On le donne. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée voir une voisine qui habitait dans le lointain du pays. Une voisine vorace, avare. Elle avait pour tout bien un pied de piment qu'elle surveillait farouchement avec une roche dans sa main. Je verrai qui c'est qui aura le courage de toucher à mon pied de piment, où disait-elle. Et quand elle a vu tout ça de manger, la voisine a dit amen. Amen, amen dans ton corps, hein. Amen toujours pour moi. Hein? Et tous les jours, le giromont portait un manger nouveau. Et tous les jours, la voisine se faisait raconter l'histoire du giromont. Ah, comme ça? Tu as trouvé un petit oiseau? Ah bon? Et le petit oiseau était blessé? Ah bon? Et le petit oiseau t'a apporté une graine? Ah bon? Et tous les jours, elle se faisait raconter l'histoire et tous les jours, elle calculait. Elle calculait en saison d'envie. Et un matin, n'y tenant plus, elle s'est levée. Elle est allée d'un aller volontaire dans les bois. Elle a été chercher l'oiseau blessé, le bec muet de souffrance. Rien. Que des oiseaux en bonne santé qui s'y fait joyeusement. Elle a pris une roche, elle a battu un gibier. Oh, ce n'était ni un sissi, ni un coucou manioc, ni même un petit passereau des jardins de Paris. C'était la compagnie, ce que vous savez déjà, oui. Elle a pris le petit oiseau, l'a emmené dans sa case, a jeté une odeur gouttière sur l'oiseau, l'a enveloppé d'une toile sale et s'en est allé ronfler dans un coin. Et au lendemain matin, elle a jeté l'oiseau sur un alizé que le malheureux a pris avec son aile brisée, cuit, cuit, cuit. Puis elle s'est mise à surveiller l'heure de la graine. Zouzou, elle n'a pas qu'à retourner même en tête chouillée. L'oiseau ne revient pas, j'ai dû le tuer. L'oiseau est revenu quand même. Et l'oiseau est passé sans s'arrêter. Et l'oiseau a jeté à ses pieds une graine. C'était une graine de giromont. La voisine a planté sa graine à sa manière d'amour et de tendresse. La graine a poussé quand même. Tige, feuilles, fleurs et un beau giromont.
Elle a arraché le giroumon de sa tige. Et dans sa case, une bave à la lèvre, avec son coutelas, elle a ouvert le giroumon. Aïe, aïe, aïe! Le giroumon était rempli de chauves-souris, de mille pattes, de serpents. Et tous avaient la triste particularité de la prendre pour leur maman. Ils voulaient lui téter le sein. La voisine prit ses jambes à son cou. Elle mit ses bras dans ses poches. Elle mit ses yeux dans des ailes imaginaires. Elle s'en est allée sur un vent. On m'a dit que c'est un vent qui souffle du côté du China. Si vous la rencontrez, ne lui dites pas bonjour pour moi, s'il vous plaît. Merci à Maggie. Ça m'a rappelé beaucoup de choses et j'ai eu une pensée pour qui tu sais. Oui. Tu vois qui? Oui. Ah oui. Mimi. Oui, oui. Voilà, merci. Donc j'ai eu une très grande pensée pour toi. Bravo. Maggie, quand on aime, on compte ou on compte pas? On compte. C-O-N-T-E, et on ne compte pas C-O-M-P-T. C'est ce qui me semble. Merci. Alors, on va aller dans du slam. Slam, quand je dis slam, je pense que quelqu'un ici se met debout, non? Il n'y a pas de slam, là. Si, il y a un slameur. Ah, il y a un slameur ici. J'ai jamais su la différence. Enfin, je ne vous ai pas dit non, donc vous ne pouvez pas applaudir. Non. Le slam et la poésie, en fait, c'est presque... C'est quoi? Mais moi, je ne sais pas répondre, parce que ce n'est pas vraiment du slam, c'est plutôt une poésie, et puis c'est ma manière de la dire, quoi, en fait. Oui, mais... Bon, donc j'ai dit slam, je me suis planté, quoi. Non, tu t'es pas planté, parce que moi, je n'ai pas la réponse, alors tu peux... Ah, d'accord. Vous avez la réponse? C'est du slam poésie. L'islam poétique, d'accord. Ok. À toi. Bonsoir. Pardon. Pardon. Excuse-moi, j'ai pas dit ton nom. Ouais, c'est ça. Chintrier. Pierre Chintrier. Ouais. Pierre Chintrier. C'est t'es le mari ou t'es le... Je suis incognito là. Pour passer après Maggie, c'est dur. Ouais. Faut pas dire que je suis son mari, non. Faut pas le dire. Si. Ah ouais. Donc elle est prise, quoi. Je veux dire. Bah, écoute, on verra ça tout à l'heure. Hein. Non, dis ça comme ça. On va régler des comptes déjà. COM. Comment? Les comptes. Bon, ouais. Fais comme tu veux. Plus difficile, plus difficile. Plus difficile, plus difficile. On voudrait être un modèle, mais rien ne se passe dans le réel, comme on l'avait imaginé. C'est un message pour les frangines. On n'est jamais ce qu'on imagine. Plus difficile, plus difficile. Plus difficile, plus difficile. Au départ, on rêve de rien. Il y a bien quelque chose à faire, mais on ne trouve pas le chemin. Alors on se met à crier, mais ça ne sert à rien. Plus difficile, plus difficile. Plus difficile, plus difficile. On effraie plutôt le voisin. Celui-là tourne pas rond ou quoi? Un caractériel, un psychopathe, un incestuel, presque un criminel, un vaurien qui aboutit à rien à part se prendre des gamelles. Plus difficile, plus difficile, plus difficile, plus difficile. Ces paroles résonnent dans ma calebasse, bon à rien, bon à rien. Sur le chemin, c'est toujours le même refrain, bon à rien, bon à rien. J'en ai marre de cette existence, elle m'a pas donné ma chance. Plus difficile, plus difficile, plus difficile, plus difficile. Ou c'est moi qui l'ai pas prise, ou c'est le terrain qui était pas bon. Rien ne pousse là-dessus. Je suis un aigle marron en fuite de la vie. Je flotte entre deux eaux, je vais finir dans le ruisseau. Trop difficile, trop difficile, trop difficile, trop difficile. Merci. Bravo. Alors vous l'appelez comme vous voulez. Hein. D'accord, mais merci beaucoup. Je pense que c'est toi qui l'as écrit. Oui. Tout seul.
Oui. Enfin, ma maman m'a quand même corrigé les fautes. Ça t'a demandé du boulot ou pas? Comment? Ça t'a demandé du travail? Non, pas trop, ça vient comme ça. Ça vient comme ça? Ouais. Et tu y arrives? Ah ouais. Enfin, vous en jugez? Je serai pas trop long quand même. Non, ça te convient là alors? Ouais, c'est super. Je peux en faire plus court si tu veux. Ah non, c'est bien. Ouais, d'accord. Mais tu veux faire plus court, tu reviens. D'accord. Quand tu veux. Ouais, ouais. Là, c'était bien, franchement. Là, c'est ça l'islam, alors. Comment? Allez là, Madeleine. Allez là, Madeleine. Moi, je l'attendais. Elle est où, Madeleine? Elle est où, Madeleine? Ah, t'es là, Madeleine. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas à la caisse? Non, c'est fini. Je comprends pas. Bon. Est-ce que par hasard, il passera après, mais Jean-Marc Goura est là? Et il chante. Et c'est un... Il fait du chant lyrique, mezzo, parano. Pardon. Autant pour moi. T'as fourché. Soprano. C'est de l'opéra. C'est de l'opéra. Oui. Je veux dire. Et tu vas faire quoi? Je vais chanter le chant de Handel. De Handel. Handel, c'est un mec qui... Qui fait de la musique, ça? Handel. Il est allemand, Handel, non? Oui. Allemand. Il n'a pas fait exprès. Bon, allez. Isa. Isa aussi, elle flirte avec le slam. Mais elle dit moi je fais du slam. Je slam, j'ai pas honte de slammer. Et donc, voilà, je crois qu'Isa. Elle est accompagnée de son musicien, dont je n'ai pas le nom. Sylvain. Si, Sylvain, je l'ai. Sylvain, donc, Isa, elle s'appelle Isa M. Elle aime, hein? Alors, M, pour, parce que j'avais du mal à prononcer son nom. Je ne suis pas arrivé. C'est Maïs Bonne. Enfin, Isa M. Isa aime parce que pour chanter, il faut aimer plus. Ah. Donc c'est mon pseudo artistique, laissant mon nom de famille là où il est. Donc voilà. J'écris et j'interprète mes textes. T'as bien fait de le dire. Tu peux avoir l'amplification pour la guitare. Truc. Je peux vous raconter une petite histoire? Non, attends qu'il... Non, tu attends qu'il va... C'est pas désagréable. T'as un pour longtemps? Ils sont toujours en désaccord avec leur guitare, les musiciens. Non, c'est pas un piano, moi. Oui. Bon. On perd quoi? Parce que la scène souffre des temps morts, en fait. Non, ça va. Non, le silence est d'or et la parole est d'argent. Non, c'est le silence est d'or. Ça n'est pas de moi. Hein. C'est de qui? Petite devinette. Tu ne sais pas? C'est populaire, c'est un type qui a sorti ça. C'est un anonyme. Bah, c'est des célèbres. Hein. Pour être célèbre, il faut être anonyme. C'est bon? C'est parti! C'est là qu'il faut s'entrer.
Allez, je sens que... Je sens que c'est intéressant. Septembre nous présente le meilleur. Octobre nous couvre d'éternité. Novembre est bien mieux qu'ailleurs. Décembre a plus d'humanité. Janvier nous présente ses amis. Février nous ouvre sa porte. Mars efface tous nos ennuis. Avril la surprise nous apporte. Quoi ? Toi et moi, je t'aime en l'un, parmi les forts. En dos, je suis près de toi, sur la clé de sol. Moi, je m'affole, lassée des si, toi, tu es là, lassée par si, mais oui, tu es là. En mai, je choisis ma robe, pour qu'en juin, tu sois coquin. Si en juillet tu te dérobes, en août nous serons baladins. Septembre nous présentera le meilleur. Octobre nous couvrira l'éternité. Novembre sera bien mieux qu'ailleurs. Décembre aura plus d'humanité. Quoi ? Toi et moi, je t'aime en larmes. Parmi les forts, en dos je suis près de toi. Sur la clé de sol, moi je m'affole, lassée des si, toi tu es là, lassée par si, mais oui tu es là. Toi et moi, je t'aime en là, parmi les forts, en dos je suis près de toi. Sur la clé de sol, moi je m'affole, lassée des si, mais tu es là, lassée par si, oh mais oui tu es là. Isaem et Sylvain. Quand même. Ah bah vas-y, si. Vous entendez? Ah oui. Si, t'inquiète, on entend. D'abord, c'est pas suffisant. On t'entend que... Bah, on peut monter un peu le... Non, c'est bon. Non, mais j'ai l'impression que c'est l'équilibre, pas bon. Non, si, ça va, c'est bon. Ici, ça passe bien. Hein. Nous sommes fiancés de cœur et de main, en vie, en voyage et le plaisir en écrin. Nous sommes de ces temps au rivage connu, éternelle union au-delà des fortunes. Nous sommes impatients de sceller nos destins, fervents de nos actes clandestins, brillants de notre nature mortelle. Pourtant seul et si peu reconnu, j'accepte rebondir, coûtant chaque instant sur la lyre, avec ce silence qui caresse nos désirs, je n'ai plus à m'enfuir. Couple en sommeil, couvre l'ombre, déjà initié à l'étrange festin. Du frisson matin qui chavire sur le fleuve du navire des amants. En duo, le soleil protège notre amour. La pluie ruisselante enveloppe nos mots. Un autre vent souffle pour toujours. Déjà la terre féconde un jour nouveau. J'accepte de rebondir, goûtant chaque instant sur la lyre, avec ce silence qui caresse nos désirs, je n'ai plus à m'enfuir. Nous sommes fiancés de cœur et de main, l'envie en voyage et le plaisir en écrin.
J'en sens les chagrins au gré de la lune, chantant ce refrain en posant cette plume. J'accepte de rebondir, goûtant chaque instant sur la lyre, avec ce silence qui caresse nos désirs. Je n'ai plus à m'enfuir, je n'ai plus à m'enfuir, je n'ai plus à m'enfuir. Isaël. Nous serons au Cosy Montparnasse, boulevard de Vaugirard, samedi à partir de 15h30, ce samedi. Au plaisir de vous y retrouver. Merci. Merci Isa. Tu avais oui, bah, je voulais. Je suis pas bien. Bah, voilà, parce que tu y es. Par contre, j'ai besoin d'une chaise. Très chaudement vêtue. Une chaise basse. Mais j'ai froid, moi. Je suis un peu sûr. Les poètes sont souvent froids, c'est l'inspiration, ça ne marche pas. Ah, ah, voilà, super. Non. Et pas cette guitare. On y va. Qui est maintenant? Ah, ah. Bon, alors, c'est une chanson qui s'appelle le scat. Tout le monde sait ce que c'est que le scat. Oui, ce sont les paroles complètement qui n'ont aucun sens que les jazzmen chantent. Voilà, voilà, ça s'appelle le scat. C'est sur donc cette façon de chanter des jazzmen. Alors c'est parti. C'est le scat, un truc avec lequel tu t'éclates en chantant à tue-tête toutes les syllabes que t'as dans la tête. Tout ça sur un air de fête. Wa, ka, zou, bidou, 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 wa, ka, za, bidou, 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 cha, pa, ta, da, 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 wa. C'est le scat, pas le rap, pas molasse. T'es le bras, vraiment, c'est trop classe. C'est le scat, c'est du jazz, c'est pas mince. Avec ça, ça boum et ça casse. C'est le scat, un truc avec lequel tu t'éclates en chantant à tue-tête toutes les syllabes que t'as dans la tête. Tout ça sur un air de fête. Wa, ka, zou, bidou, 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 wa, ka, za, bidou, 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 cha, ba, da, 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 wa. C'est Armstrong, le premier, qui lança cette manière spéciale de chanter. C'est Disney, le premier, qui lança le scat des Aristochats. C'est le scat avec lequel tu t'éclates en chantant à tue-tête toutes les syllabes que t'as dans la tête. Tout ça sur un air de fête. Wa, ka, zou, bidou, 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 wa, ka, za, bidou, 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 cha, ba, da, 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 da. Dans une boîte, 40 places, un mutant et des spectateurs électriques. Un orchestre, des trompettes, un chanteur. Alors le scat est un malheur. C'est le scat, un truc avec lequel tu t'éclates tout en chantant à tue-tête toutes les syllabes que t'as dans la tête. Tout ça sur un air de fête. Wa, ka, zou, bidou, 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 wa, ka, za, bidou, 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 cha, ba, da, 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 wa. C'est le scat, un truc avec lequel tu t'éclates tout en chantant à tue-tête toutes les syllabes que t'as dans la tête. Tout ça sur un air de fête. Wa, ka, zou, bidou, 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 wa, ka, za, bidou, 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 cha, ba, da, 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 wa. Yeah. Yeah! Tina, merci Tina! Alors, petite pause, sympause, et puis on se retrouve dans une dizaine de minutes
Heureusement, moi, je rentre pas le monde. Le Chinois, ça va être un peu plus facile. C'est difficile de la filmer. Elle a votre gueule, ce Chinois. Bon, nous sommes attendus de commencer en musique. Il y a la salle à un petit piano. Je sais pas, vous l'entendez? Ah, merci à l'équipe. Hello. Et le silence fut. Les oreilles sont qu'à l'écoute. Regardez-moi. Vous ne voyez que moi. Là, je vous hypnotise. Cessez vos bavardages. On ne bavarde plus. Le silence. Silence est dehors et nous dedans. Je souffle pas mon texte. Je vous présente Vanina qui cherche ses petites notes avec sa lampe de poche. Un travail à l'ancienne car c'est une grande artisan, Ouzane. Zan, je connais pas ce clavier. T'as trouvé toutes tes notes? Je sais pas, on va voir, on va faire avec parce que je connais pas ce clavier, il y a que des touches. Enfin, lequel tu tapes sur n'importe laquelle. À toi, Vanina. La musique, comme tu disais, c'est le soleil du silence qui jamais ne se tait tout à fait. Du silence qui chante ou qui grince. Dans les moires et la mémoire des gens. Chansons à 2, 3, 4, 12 ou autre temps. Mais toujours en dehors des casiers à musique. Si tu veux être heureux, sois-le, dit un vieux proverbe chinois. Ce vieux proverbe, parfois la musique l'entend et le chante. Simplement. Folle la lune, écarte les branches rebelles.
le bal. Nymphes et dryades, feu de joie de vivre dans le jour des temps. Armée aux fougères, châteaux en Bavière, chevaliers errants. Sauvage lumière, forêt des Ardennes et du Dahomey. Cette comédie musicale des années 69, R, elle était la chanteuse donc de la comédie R. Merci Marina. Tout à l'heure, on a entendu un conte lointain par Maggie, et je sais qu'il y a une conteuse dans la salle aussi qui va nous raconter un conte qui parle de je ne sais pas quoi. C'est Elena, Françoise, Marty. Alors il y a l'oreille musicale et l'oreille du conte, c'est pour ça qu'on a deux oreilles. Je te donne celui-là parce qu'il est juste. Au mois prochain. Bonsoir, tous mes voeux. Et mon conte, justement, va vous parler des voeux et des voeux qui peuvent être exaucés. Alors profitez-en, formulez beaucoup de voeux. Attends. Il était une fois. Comme toujours dans les contes, on commence comme ça. Il était une fois une vieille qui vivait seule. Enfin, quand je dis seule, pas vraiment, elle vivait avec son chat. Le chat s'était habitué à elle, elle s'était habituée au chat. Et tout allait bien ainsi. Elle était très pauvre, elle vivait dans une masure sombre et à moitié délabrée. Et ce soir-là, c'était le soir de Noël. Elle avait préparé un ragoût, disposé deux assiettes l'une devant l'autre,
Le chat avait pris place sur le banc en face et il commençait à manger ce ragoût qui, ma foi, sentait très bon. On a frappé à la porte. La vieille est allée ouvrir. Et là, devant elle, il y avait une dame magnifique, revêtue d'un manteau de vison qui tombait jusqu'aux pieds, une toque de fourrure qui ressemblait à un nuage de neige. Aux oreilles, des diamants scintillaient. La dame a dit « Est-ce que je peux venir m'abriter chez vous ?» Je partais pour un réveillon chez des amis, mais ma voiture est tombée en panne. Alors si je pouvais m'abriter un peu, il fait si froid. La vieille l'a fait entrer, a installé une troisième assiette et elles ont mangé ensemble le ragoût. Elles ont beaucoup parlé, longuement. Et puis, la dame a dit « Vous avez été très aimable de m'accueillir par ce jour d'hiver, cette nuit d'hiver plutôt. Avant minuit, pour vous remercier, je peux exaucer 3 vœux. » La vieille, elle cherchait. Elle avait besoin de rien. Elle avait bon, tout ce qu'il lui fallait. De toute façon, elle n'avait jamais rien eu. Elle cherchait. Oh ben si, rendre ma maison un peu plus coquette. Et aussitôt, la maison est devenue claire, blanche, des lumières partout, de très beaux meubles en bois de chêne, des fleurs. Oh, la vieille, elle n'en revenait pas. Allez, vite, a dit la dame, un deuxième vœu. La vieille, elle voyait encore pas ce qu'elle pouvait demander. Oh. Et puis elle a dit, oh ben si, je veux bien, si vous pouviez me redonner un peu de jeunesse. Oh, juste un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Et voilà. Et elle est redevenue la jeune fille qu'elle était, avec un teint de pêche, une taille très fine. Oh, elle était contente, elle s'est regardée dans la glace. Allez, a dit la dame, il reste quelques secondes avant minuit, un troisième vœu. Et puis si, elle a rougi et elle a dit, oh, si vous pouviez retrouver mon premier amour de jeunesse. Et alors là, il y a eu un grand nuage, des poils qui ont volé partout, un miaulement terrible, et un beau jeune homme est apparu. Mais oui, c'était lui, son amour de jeunesse. Ils se sont pris par la main. Ils se sont serrés. La dame avait des larmes d'émotion dans les yeux. Et là, le jeune homme a dit à sa bien-aimée, « C'est maintenant que tu vas regretter de m'avoir fait castrer. » Santé, santé, amour, argent. De ces 3 vœux, le riche n'en prend qu'un. La santé. L'argent, il l'a. L'amour, il la jettera avec l'argent qu'il a. Le pauvre, lui, prend les 3. La santé, l'amour et l'argent. De ces 3 vœux, vous, lequel prenez-vous? Vous prenez l'argent. Bien. Vous l'avez.
Votre santé vous fait défaut. À défaut, vous vous payez une santé d'enfer. Maintenant, vous voilà retapé. À présent, vous voulez vous payer le luxe. L'amour. Celui qui ne s'achète pas. Celui-là, vous le savez, il vous en coûtera. Vous le cherchez et enfin, bingo, vous le trouvez. Pas du toc, mais du béton, du solide. Oui, le vrai amour. Alors, amour en poche, argent, santé, vous avez tout. L'amour, vous lui donnez tout votre amour. Vous lui donnez vraiment tout. Il prend de la place. Et votre argent en devient jaloux. Alors, pour se mettre l'amour dans la poche, l'argent va flatter l'amour. L'amour séduit, cède à la tentation de l'argent. Et voilà que votre amour, enfin, l'amour, pour l'amour de l'argent, ne vous demande plus d'amour. Rien ne va plus. Faites vos vœux. Lequel prenez-vous? Moi, de ces trois vœux, aucun. Mais je n'en veux qu'un seul. Le bonheur. Madeleine Capio va nous faire ses vœux, accompagné de Bougie. Viens ma chérie, viens. À la guitare. Oui, c'est un vieux couple. Hein. Ils sont formés d'ailleurs au Café Baba. Ouais. L'histoire a commencé avec trois petites notes de musique. Voilà. Elle a écrit quelques petits poèmes et puis voilà ce que ça donne. Moussa, tout à l'heure, tu voulais un poème très court. Bref et circoncis. Alors en voilà un. Hein. De flac en flac, pluie légère du printemps, les bottes dansent. Ça s'appelle un haïku. Ah ben dis donc. Soyez joyeuse. Oui. J'ai vu des hirondelles écrire les mots de la vie dans le bleu du ciel. J'ai vu les mouettes et les goélands sur les quais de la Seine tourner le dos aux passants. J'ai vu la nuit tango, le jour samba et cha-cha-cha. J'ai vu le rayon vert plonger dans la mer et le soleil lui tendre la main. J'ai vu les rouges pivoines s'offrir à la brise à en perdre leurs pétales. J'ai vu des vœux oubliés de ci, de là et qui mouraient d'ennui. J'ai vu des rêveurs les cueillir un à un et les serrer sur leur cœur. J'ai vu et je vis les petits bonheurs de la vie. Bravo, Madeleine. Et je dis, alors là, Madeleine, tu m'étonnes. Hein. Pourquoi? Parce qu'au début, elle faisait des textes qui faisaient 10 minutes. Et maintenant, elle fait des textes... Non, tu peux refaire des textes plus longs, si tu veux. Non, mais tu fais des progrès. Merci. Alors, je le dis, je le pense. J'ai envie d'entendre un monsieur qui est dans la salle, qui s'appelle Jean-François Blainvin. Excuse-moi si j'ai déformé le nom. Il est poète nouvelliste. Il peut être poète et nouvelliste. Ah, bien sûr. Bah, pourquoi bien sûr? Bien sûr. Bah, on peut. Il a le droit. Merci de me l'accorder. Je t'en prie. Merci beaucoup. Tu vas... Non, je vais pas prendre de micro. Alors, j'ignorais le thème de la soirée. En ce bel endroit, je vous présente tous mes vœux. Merci. Je vais vous dire un texte que j'ai écrit très récemment, que je vais vous proposer. Voulez-vous venir avec le poète, même
quand s'évanouit le parfum, quand se dissout en l'âpre hivernal les soleils claironnants de l'été hâtif. Même si s'apesantit l'eau des déboires, même quand halète proche des humains le son du tocsin, même quand les premières neiges impriment leur sillage blanc sur la plaine venteuse, même si les sentiments s'éparpillent dans les flocons des souvenirs, des passions et des feux brûlants dans le lointain des demeures closes, viendrez-vous avec le poète ? Jean-François ! Merci à toi. C'est de la poésie classique. C'est classique. L'interprétation est classique. C'est bien. C'est une belle interprétation. Il m'a rappelé un comédien, il a dû te le dire. Bikini. C'est bien ça. En tout cas, il te ressemble. Moi, c'est un excellent collaborateur. Je n'en doute pas. Il y avait du bikini en toi. Mais c'est un compliment. Hein. Alors, ben voilà, donc... Oh, c'est là-bas, Jean-Marc Bourra. Donc, la voix lyrique, le chant lyrique... Mezzo, soprano, et il va nous interpréter Heindel. Je suppose que c'est son micro. Ça va de soi, c'est idiot. Ça s'appelle Serre. Tout ça va. Oh, de mio dolce ardor.
tue fais amionse, amor in me pinge, in mio pensier se finge. Le piore des années que je fais les mêmes. Je voudrais que la paix renaisse de ses cendres. Je voudrais que la paix renaisse de ses cendres, que ressuscite les joies du bien, du beau, du tendre. Je voudrais que mon île jusque vers vous s'étende, et que chacun retrouve une ardeur innocente. La chaleur de la vie semble avoir disparu.
alors les cris peu à peu se sont tus. Les grands rassemblements sont tous démantelés. Quelques amants perdus font figure d'exilés. L'on croit enfin à l'avenir et que l'on n'oublie pas tout ce qui fut le pire. Bien garder à l'esprit le fruit de nos hantises, c'est construire le bonheur comme une terre promise. Que le mot exclu ne veuille plus rien dire. Et donner à chacun le digne droit de vivre. Faire que le mot amour reprenne tout son sens. Et que s'arrête enfin la loi des contresens. S'impose en du parfum de miel. La pluie qui nous inonde peut-être paradis. Si baigné de nos songes, nous bâtis sur nos vies. La pluie qui nous inonde peut-être paradis. J'avais 15 ans en 68. En 68, s'il y a quelque chose qui m'a marqué pour toute la vie, c'est le fait de croire en l'amour, la justice, l'égalité, et de me battre avec des chansons, avec des mots, avec la vie pour ce faire. Donc, mon vœu dans cette chanson-là, c'est à l'amour, à la vie. C'est en valse. C'est à toi que je reviens toujours, mon grand, mon plus beau des amours. C'est vers toi que je reviens encore, qui motive mes efforts. Avec toi que je me battrai, toi le moteur de mes errances. Avec toi seul que je ferai l'univers couleur d'espérance. L'univers couleur d'espérance. L'univers couleur d'espérance. Mmh.
foi, on peut changer le monde. On tient le coup malgré nos larmes. On se redresse, on tient le coup. Tu mets du soleil dans nos âmes. Tu es le canon et les armes. Dans nos chansons de troubadour, les mots sonnent toutes les alarmes. Pour faire pousser des fleurs d'amour. Pour faire pousser des fleurs d'amour. Pour faire pousser des fleurs d'amour. Perdu sa voix en venant ici. Omar. 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 Voilà. Donc, un café bavard, c'est Omar. C'est comme un. C'est comme quoi? Une assiette. C'est comme un kebab. Un café sans croissant. Ou un kebab sans viande. Un kebab végétarien. Tu vas le coup là. T'as le micro. Tu vas pas loin, tu vas à côté. Comme un coup de grosse. Vous m'entendez? Oui. Oui, ça va. Bon, meilleur vœu à vous, hein, parce que pour moi, l'année commence très mal. J'ai déjà perdu ma voix. En plus, on m'a piqué mon scooter. Et moi, j'ai pas de motard à ma disposition. J'ai le garde corps. Quand je vais voir les voisines, ça nous coûte. Rassurez-vous, ce n'est pas de l'argent public. Bon, enfin bref. Comme je ne peux pas aller loin avec mon poète, je vais vous raconter juste une petite histoire, très courte. Donc c'est l'histoire d'un monsieur qui n'a plus pour son plaisir que la gastronomie. Alors il décide de faire le tour de France gastronomique. Et aujourd'hui, on est à Strasbourg. Alors il rentre au plus grand restaurant gastronomique de Strasbourg, il s'installe, on lui donne la carte. Et vous savez que les Alsaciens, dans leur accent, ils ont un problème avec la lettre Z. Ils la prononcent S. Par exemple, ils ne disent pas « parisien », mais « parisien ». Donc ce monsieur a les moyens, il commande tout ce qui est plus cher, les meilleures entrées, le meilleur plat, super bouteille de vin, champagne, dessert. Et au moment de l'addition, il demande l'addition, il lui amène l'addition. Il regarde l'addition, 5 euros. Bon, il appelle le serveur, venez voir mon brave là, vous vous êtes trompé là. Vous avez oublié plusieurs zéros là. Le serveur lui dit, non monsieur, je n'ai rien oublié, vous devez 5 euros et c'est tout. Non, 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 vous plaisantez là. Non monsieur, je ne plaisante pas. Ici c'est moi qui fais les additions et je vous dis que vous devez 5 euros et pas 5 centimes de plus. Écoutez, je ne sais pas à quoi vous jouez, mais ce que vous m'avouez là, mais moi je ne mange pas de ce pain-là. Hein. Parce que c'est comme ça, je veux voir le patron. Il est où le patron? Et le serveur lui dit, le patron, il est là-haut. Il est avec ma femme. Elle est en train de baisser ma femme. Lui, il baisse ma femme et moi, je baisse les prix. Alors, on arrive
au terme de ce café Baba. Oui. Alors pour ceux qui veulent continuer des bavardages, on se retrouvera tout à l'heure en haut, donc au dîner Baba. Il paraît qu'on mange très bien sur place. Voilà, avec ou sans les baguettes, c'est asiatique. Hein. On fait comme on veut. En fait, les vœux, franchement, les vœux, est-ce que cela vaut vraiment la peine de se les souhaiter? Franchement, il est vrai que ça ne coûte rien. Ça ne rapporte rien non plus. C'est parce que ça ne coûte rien qu'on peut montrer sa générosité au moins une fois dans l'année. À votre bon vœu, monsieur, dame. À votre bon vœu. Merci, merci. Ne les reprenez pas. Non, allez-y. Donner, c'est donner. Hein. Reprendre, c'est veuler. Merci. Pas grand-chose, hein. Pas très généreux, hein. Ceux qui ne donnent pas, ceux-là, ils se les gardent pour eux, pour se souhaiter la bonne année toute l'année. Les vœux de mon voisin, par exemple, pareil que dans le chapeau, sans surprise, toujours les mêmes, amour, santé, argent, au bout de course, aucun n'est arrivé gagnant. L'argent joue au billard, la santé sur le billard, et l'amour se fait désirer au clavier. Ma voisine qui a plus de 70 balais, les vœux, faut lui répéter 70 fois. Alors je lui offre des chocolats. Quoi, hein? Ça me coûte bien plus, hein? C'est des bons chéris. À mon avis, il n'y a pas de meilleurs vœux. Ils se valent tous. Pas un pour relever l'autre. Bientôt, vous pourrez les commander à la redoute par l'eau et les faire livrer sans ouvrir la bouche comme les fleurs virtuelles, lunettes, inodores et plein de couleurs. Les vœux, c'est quoi? C'est pas un placement. C'est un déplacement de soi vers Alka-Seltzer quand les vœux vous prennent trop la tête. Il faut aussitôt s'en débarrasser au plus vite. Attention, les vœux, c'est pas éternel non plus. Ça se dégrade vers les 27, 28 janvier. Ne les acceptez plus après. Après, ça commence à se faire sentir, réchauffé, quoi. On m'a déjà refourgué des vœux en février. Je n'y ai vu que des vœux. Les vœux, c'est du consommable. C'est toute une chaîne de chaud qui se met en place. Parce que les vœux, ça se veut chaleureux, avant toute date de péremption. On n'a jamais su d'où viennent les vœux. Je pense du cœur. Alors, je sais qu'il ne reste plus qu'un chanteur ou une chanteuse dans la salle et on va terminer avec elle. Peut-être Fanfan. Fanfan. Peut-être Fanfan. Des vœux déjantés, vous m'excuserez, ils sont pas très orthodoxes. On peut mettre le CD? Oui, le CD, on peut le mettre. Notre régisseur. A cappella, mais c'est. A cappella, c'est bon. Je peux faire a cappella si c'est acapella, plus cher. Attends, tu es meilleur. A cappella, c'est bon. Tu es a cappella, t'es la meilleure a cappella. Allez, t'es la meilleure a cappella. Oui, mais là, il y avait une belle petite guitare, mais bon, on s'en passera. Voilà, moi les vœux, enfin ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'abord c'est le courage. Le courage de faire face à tout ce qui peut se présenter. Il n'y a pas plus heureux que les heureux, même dans les épreuves. Non, je ne vous l'envoie pas, la carte de vœux sempiternels. Non, je ne vous les souhaite pas. La santé ad hoc, la tenue de choc, les amours de toc, le travail qui suffoque, là. La silhouette de fourque ou bien d'être en cloque. Même si le chant de Bien-Renaud sur le zinc. Couplet, refrain, bonheur ou chagrin. Non, 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 je ne vous dirai rien des vœux habituels. Non, 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 je ne vous dirai rien
rêves habituels. Je vous souhaite le tremblement de chair à fendre votre vie en deux, le bras zéro de tous les gueux, les bras du moulin qui se décroisent et la mélodie qui dégoise ces cascades à bouche que veut. Doigts dans la prise, pieds dans la glu, les imprévus qui vous achèvent, vous raniment ou vous laissent perclus, le trèfle à quatre, la langue fourchue. Non, 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 je ne vous dirai rien des vœux habituels. Non, 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 je ne vous dirai rien des vœux habituels. Je vous souhaite la petite mort et le grand écart sans effort, le coup de balai dans le décor, le ruisseau qui charrie de l'or, qu'en hiver les douces mitaines réchauffent tendresse incertaine, en été le glaçon sucé avec des mots comme des baisers, l'automne au plus frileux des gars, ce sanglier traversant le bois. Non, 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 je ne vous dirai rien des vœux habituels. Non, 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 je ne vous dirai rien des vœux habituels. Je vous souhaite les etc. que dans la vie on n'attend pas, mais qui font monter les enchères, la châtaigne, la prime vert, le vert dans le fruit, la charogne, pour vous rappeler qu'en besogne, elle court pas aussi vite qu'il cogne, et le tournevis à l'envers pour tester votre imaginaire qui bat de l'aile dans les trous d'air. Mais oui, je vous l'envoie, cette carte de vœux, espérant qu'il pleut à souffler votre toit, parce que c'est comme ça qu'on est le plus heureux. Oh, oh. Merci à toi. Merci. Eh bien, on termine ce café bavard en chanson et je demande à Vanina de faire la dernière. Voilà, un petit bravo. Tiens, tu avais demandé le poème le plus court, je vais te faire la chanson la plus courte de l'année. Mangez sur l'herbe, dépêchez-vous, un jour ou l'autre, l'herbe mangera sur vous. Voilà. Alors c'est Prévert aussi encore, vous savez que Prévert écrit en anglais. Vous allez voir cette chanson qui s'appelle Wayne Song, écrite au moment de la guerre du Vietnam, comment il s'amuse avec la langue dominante. Il pleut des cats, il pleut des dogs, il pleut des boys, il pleut des girls, il pleut des rêves et des putains, des chiens savants, des chats rouquins. Rain, 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 grain, 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 frog, frog, grain. It's raining upon bombs and bayonets. It's raining blood and death. It floats, it floats. Il pleut des girls, il pleut des rêves, il est putain.
ça pour cette belle soirée, belle après-midi, voilà, les beaux moments. Merci à toi, et bien voilà. Donc est-ce que je peux vous annoncer un petit concert? Voilà. Je joue, vous connaissez l'Angora, qui est 3 boulevard Richard Lenoir, qui est un lieu de résistance aussi culturel, hein, où il se passe beaucoup de choses intéressantes. Et j'y joue régulièrement. C'est un grand bar-restaurant où on peut manger pas cher et très très bon. Et au premier étage, il y a une salle de concert, petite mais très sympathique. Et je fais entrée libre et bienvenue. Je joue le samedi, j'ai quelques tracks, 25 janvier à 20h30. Voilà, avec des invités surprises aussi. L'Angora. Pensez à la douceur de l'Angora, voilà, en ces froids d'hiver. 3 boulevard Richard Lenoir. Métro Bastille, c'est à 50 mètres de la Bastille. Alors, je profite pour aussi faire la petite annonce à notre amie Sarah Mastrel. Et puis à Gouès aussi. D'abord, Sarah, tu joues, je crois aussi, Dinougou, parce que... Merci. Oui. Je suis le 26-27 janvier au Salon du Livre de Saint-Mandé pour la sortie de mon dernier livre de nouvelles. Et je suis le 25 mars de 20h à 23h au Cosy Montparnasse dans le 6e. Et tu as des livres avec toi et des CD pour ceux qui veulent se les procurer, elle est là donc. Merci. Et puis Brigitte, tu passes. Alors, moi, c'est le mardi. Vous avez des trucs ailleurs sur le... Ah oui, voilà, donc elle vient. Le mardi 28 janvier de 2014, évidemment. Et c'est au 3 Arts, 21 rue des Rigoles, non loin du métro Jourdain, dans le 20e arrondissement de Paris. Et c'est dans un spectacle avec une conteuse qui s'appelle Irma Elou. Le spectacle s'appelle L-E-2-L-E-S et interroge à travers des contes de différents grands continents la condition féminine à travers un regard féministe en tout cas. Merci bien. Merci Brigitte. Alors, pour le prochain Café Bavard, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous venez de dire? Le prochain Café Bavard aura lieu quelque part dans Paris, donc normalement on a vos coordonnées. Pour ceux qui veulent s'inscrire pour la scène ouverte, eh bien il faut envoyer un mail au café.bavard@laposte.net et puis vous inscrire très vite parce que il y a vraiment beaucoup de monde. Alors à tout de suite pour le dîner bavard en haut. On y mange très bien et pour pas très cher. Voilà. Oui, allez-y. Rapidement, le 26 janvier, c'est tout près. C'est pour ça que je le signale, parce qu'il y a autre chose en février et mars. Je chante au Limonaire le dimanche à partir de 18h dans une soirée collective du Centre de la Chanson, animée par Gérard Noël. 26 janvier, à partir de 18h, on peut manger sur place aussi, au Limonaire. Merci à vous tous, et à bientôt, et bonne année, et meilleurs vœux.